Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous recherchez le meilleur composteur de jardin, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous présenter donc 3 composteurs de jardin. Donc n'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Vous aurez les liens en description de cette vidéo. Donc on va partir du plus gros prix au plus petit prix comme d'habitude. Donc c'est un bac de compost en polypropylène, au niveau de celui-ci. Donc c'est le Vuno, de la marque Vuno. Vous avez donc là-dessus, donc très pratique, là-dessus vous pouvez recycler les déchets naturels de votre maison, que ce soit ben voilà, des patates qui sont plus en bon état, voilà plein de choses qui permettent justement de recomposter et de remettre dans la terre tout ça. Donc c'est vraiment très pratique et ça permet justement, c'est un terreau beaucoup plus naturel et au bout d'un moment ça va se composter assez tranquillement. D'ailleurs, ça est monté en 3 minutes seulement, c'est très pratique. Vous avez quand même une capacité de 300 litres, donc c'est quand même relativement conséquent. Donc si vous êtes une grande famille ou si vous avez tendance à avoir justement du compost assez régulièrement, n'hésitez pas. D'ailleurs, il a suffisante pour une utilisation quotidienne tout en maintenant une taille non imposante et disgracieuse non plus. Donc vous avez juste à la mettre dans votre potager et c'est parti. Même résistant aux intempéries, donc ça va éviter les odeurs, etc. Donc bien refermer le bac. C'est aussi vraiment pratique donc, pour pouvoir vraiment avoir justement ce terreau naturel. Et puis ça vous évite vous d'en acheter, etc., etc. Et de pouvoir redonner vie un petit peu à la terre, un petit peu plus pratique au niveau de celui-ci. Donc le poids vide, il fait que seulement 5,8 kg, donc c'est vraiment peu coûteux. Vous avez même une trappe en dessous pour vraiment voir un petit peu où en est le compost. Donc ça c'est à vous de voir et pour pouvoir le reprendre et après directement le mettre dans tout votre potager. Donc au bout d'un moment, donc au bout d'un certain temps hein, forcément, vous doutez bien au niveau de là-dessus. Voilà, très résistant, relativement stable au niveau de celui-ci. Donc une ouverture vraiment très pratique pour pouvoir justement après l'étaler dans votre jardin. Il sera en description de vidéo pour celui-ci. Pareil, l'autre que je vais vous présenter, moins cher mais quand même avec une grande capacité aussi, quasi les mêmes choses que le précédent, c'est le 4S Smile, donc 4 Foam Smile quoi, on va l'appeler comme ça, de cette marque là. Donc toutes les ordures ménagères, il est fait pour vous justement les déchets de cuisine par exemple, des restes de fruits, légumes ou même ne serait-ce que les pelures, etc. C'est vraiment parfait, des marques de café et de thé, des coquilles d'œufs pour les déchets de jardin par exemple, des coupes d'herbe, des fleurs fanées ou des feuilles mortes ou des coupes de haies ou d'arbustes, etc. C'est vraiment parfait parce que ça va justement, après faire du compost, ça va forcément se dégrader au fil du temps. Donc ça va faire des déchets, mais vous allez pouvoir après le remettre dans la terre directement. Donc pour pouvoir soit refaire une terre vraiment merveilleuse de votre jardin, soit directement alimenter votre jardin au niveau de celui-ci, donc votre potager dont j'étais en train de parler. Donc voilà, vraiment assez simple, donc il fait 83 par 61 par 61 cm, donc il est rectangulaire, il fait 3 kg quand vous allez l'installer, donc ça reste pas non plus énorme. Il est aussi, il a une trappe en dessous pour pouvoir récupérer le compost, et au-dessus, nous avons quand même, pour éviter les intempéries, etc., donc il est totalement, on va dire, pas hermétique, mais surtout, tout ce qui est intempéries, donc vraiment étanche au niveau de celui-ci. Pour le dernier, c'est de la marque Deba, donc Deba c'est une marque aussi qui fait la même chose, sauf que là vous avez quand même plus de capacité. Les deux autres avaient 300 litres, là vous avez une capacité de 380 litres, ce qui n'est pas du tout négligeable et c'est quand même moins cher que les deux autres. Vous avez aussi une autre trappe pour récupérer, si vous le souhaitez, le compost donc, que vous allez mettre dedans. Comme je vous ai dit, c'est pour le potager ou pour tout ce qui est etc. Là-dessus, donc c'est la décomposition de bactériennes plus rapide et vous obtiendrez d'ailleurs de meilleurs résultats grâce à celui-ci. Vous avez juste pareil, il est hermétique aussi, enfin il est surtout dans la capacité de, pour les intempéries surtout, de bien cloisonner tout ça. Il va de 380, 800, 1200, 1600 litres, donc ça reste vraiment pas mal du tout et c'est pas vraiment comme la plupart. Là vous avez 1600 litres, c'est relativement grand, donc c'est à vous de voir celui lequel vous préférez en fonction du budget que vous avez et forcément aussi de la contenance que vous recherchez au niveau de ce composteur. Je vous laisserai en tout cas aller voir dans la description si vous souhaitez ces 3 produits. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve la fois prochaine pour d'autres objets du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.